Ce l'élargissement de l'espace civique, rétréci par des interdictions systématiques de manifester à travers l'adoption de nouvelles lois plus protectrices des libertés publiques. L'effectivité du droit à l'éducation, en particulier des enfants, dans les zones affectées par l'insécurité en raison des déplacements forcés des populations. L'accès à la santé des populations en général, et particulièrement celles vivant dans les zones de sécurité qui ont de multiples difficultés à accéder aux centres de santé et aux condos, etc. La prise en charge humanitaire des personnes déplacées internes et des personnes retournées dans les sites d'hébergement ont assurément besoin de plus de sécurité, de cette prévention de voie. La mise en œuvre des activités agro-sylvopastorales en raison des menaces terroristes présentes sur les agriculteurs et éleveurs, les engagements fréquents de bétail et du rétrécissement des champs de culture et des aires de pâturage. L'amélioration de la chaîne pénale en raison du surpeuplement des établissements pénitentiaires, des retards injustifiés accusés dans le traitement des dossiers judiciaires, etc. Le respect du droit des migrants en raison des conditions très souvent inhumaines dans lesquelles certains migrants sont expulsés de certains pays voisins. La poursuite de la lutte contre les pratiques esclavagistes qui continuent de se vivre dans certains endroits de notre pays. Et le respect des droits des personnes handicapées qui ne jouissent pas encore pleinement des droits qui leur sont reconnus par des instruments juridiques nationaux et internationaux.